Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité, c'est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Ils ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elle ne supporterait pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères, et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis certains estiment que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que recevoir, se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements. C'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous? Êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Pourquoi? Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité, c'est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Ils ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères, et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis certains estiment que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que recevoir, se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements. C'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous? Êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Pourquoi? Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité, c'est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires.
Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Ils ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis certains estiment que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que recevoir. Se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements. C'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous? Êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Pourquoi?